Le président Joe Biden, ensemble avec deux autres anciens présidents démocrates, et bien, ils ont mis ensemble, ils ont ramassé plus de 25 millions de dollars pour aider le président sortant, la période de Joe Biden, mener campagne pour l'élection présidentielle novembre 2024. Nouvelle avec 16 François Michel. Barack Obama, Bill Clinton et quelques gros noms dans le monde loisir te mettaient ensemble jeudi soir pour yobay président Joe Biden yon gros accueil dans New York. Côté président, ramassé un record plus passé 26 millions de dollars pour campagne réélectionnée. Public là, dans Radio City Music Hall, te prend courant, les Obama te chanté louange Biden d'après avoir l'y cherché point côté tout monde rencontré. Et côté l'y dit, c'est genre de président qu'on s'a moins vlé. Clinton t'es simplement dit son choix qui devant électeur en 2024, rete ak ça qui baille résultat. Biden lui-même t'es allé droite sous Donald Trump. L'elle te dit que rival républicain qui en face lui a gain en série l'idée qui ancien et qui pas bon. Trump lui-même, par contre, mettait de l'eau dans bouche lui pour le voir toya sous Biden, qu'elle qualifiait comme président qui pi corrompi dans l'histoire États-Unis. Serge François Michel, VOA Creole. Merci, c'est François Michel. N'a prêté un grand point de dominer l'actualité avec Marie-Louise Pierre. Canada a envoyé un hélicoptère dans l'ambassade de Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti, jeudi 28 mars passé, pour évacuer les Canadiens qui voulaient quitter Haïti pendant la violence gang avec Valet Terrain. Il y a un hélicoptère atterri dans l'ambassade canadienne jeudi après-midi, pendant que les soldats ont veillé le building. Non? Ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmitri Kuleba a rencontré avec Tokay indien Subwa Maniam Jai Shankar dans la capitale pays indien New Delhi vendredi 29 mars là pour un chita palais qui visait renforcer les relations bilatérales. Palestinienne en Khan Yunis dans Gaza était dans la peine pour famille et mon remet vendredi 29 mars là après une frappe israélienne qui était touillé 22 monde d'après le ministère de la Santé Gaza. Actualité dans le pays d'Haïti, vendredi 29 mars, ça fait 37 ans depuis que le peuple haïtien a été pris la rue pour ratifier la Constitution 1987. Là, je dis à une autre fin d'une situation différente. Vendredi 29 mars 2024, là, marqué 37 l'année depuis que le peuple haïtien a choisi démocratie comme gouvernance à travers la Constitution 29 mars 87. Là. 37 l'année après, haïtiens et haïtiennes toujours attendent rêve bonheur. Rêve bien-être, rêve pour vivre tant qu'au monde. C'est dans le contexte ça, Pietro Challenger, Reginald Dumé, dit assumer choix ancien sénateur Moïse Jean-Charles avec Petit Dessalines qui voyait représentant dans le conseil présidentiel transition. C'est vrai, Moïse Jean-Charles, bonne décision, Petit Dessalines, bonne décision. Nous mettons Moïse devant, mais c'est pas Moïse seulement pour elle. Challenger mobile là-dedans, tout. Mouvement 29 mars là-dedans. Creeper. Force Canapé VRV qui gagne Design, José, G105, en pile d'autres organisations, FMPB et Nofra. Ça veut dire, Fort qui gagne Abel, ça veut dire, nouvelle classe politique là, derrière. Parce que nous-mêmes, ce n'est pas intérêt personnel nous qui primons, c'est résultat pour Haïti sorti dans sa lia. Plusieurs partis et regroupements politiques, parmi eux, Innovation et Rassemblement National Vaudou Isan. Démocrates pour libérer Haïti avec divers lots, profiter 37e anniversaire Constitution 29 mars 87 là pour signer un document qui a un rapport avec choix d'un juge Cour cassation au lieu de mise en place d'un conseil présidentiel de transition. Nous choisir cassation, c'est pas parce que c'est la vraie solution, hein, mais cassation c'est la qui plus ou moins rapprochée vers sa Constitution digne. Si nous prenons par exemple, après 86, la plus belle élection pays d'Haïti qu'on connaît, c'était Madame Merta Pascal Touyo qui a réalisé. En garde côté, elle est sortie. Nous avons dit, monsieur le collège présidentiel, il faut que tu aies la raison. Nous pouvons aller dans le cours de cassation, nous choisissons le monde, jusqu'à plus ancien, pour là, comme habite, avec tout secteur dans le pays, pour nous chita, pour nous définir un plan pour payer ça, pour nous sortir de côté. Un dossier n'a pas suivi. Oui, non, tout ça.
pour VOA Creole. Port-au-Prince. N'a pas retourné ici aux États-Unis, côté nous parlons dans l'État Georgie, parce que dans la capitale État, n'a pas Georgie, Atlanta. Eh bien, un avocat haïtien dans Atlanta, Georgie, mandé immigrants haïtiens, pour ne pas prendre chance de traverser Mexique, sortir Mexique pour entrer aux États-Unis sans document légal. Yumi Janit, pour plus de détails. Dans une interview avec VOA Creole, avocat immigration Lana Joseph fait qu'on est gen pile haïtien qui dans prison Texas à cause yo patan pour yo entrer sous territoire américain jan la loi immigration mandé. Yo nan programme Biden nan yo pou korele yo. Yo pa ka atann, y aller Mexique, yo rentre nan programme CBP 1 nan et aussi programme CBP 1 nan tout, li commencé point plus temps. So moun yo commencé désespéré, moun yo commencé rentrer nan border sans que yo pa gagnen accès pour yo rentrer. On capable di nou si gon message que m'ta reme peuple la joine et tande le clair, c'est que pinga rentrer nan border Texas lan illégal, de pou rentrer ou censé mettre tête ou non position pour yo arrêter ou et aussi pour yo déporter au bac en Haïti. Et en pile ça que nous ouais parce que dans journée jodi m'a parlé avec la Yumi, c'est pas des haïtiens qui pas en prison dans différents côtés Texas parce que moun yo rentré illégal. Gan pile nan yo même les m'en réviser documentation dans entrevue yo, c'est que yo di moun yo courir vinn rentrer ici parce que yo appliqué pour CBP 1, yo pou kon rele yo, yo appliqué pour Biden, yo pou kon rele yo, so yo pote tete yo vini. Ça pas yon bon raison, le kon sa même sou te gon bon ka anzil, li difficile parce que ou montre yo déjà que ou pas suiv loi parce que yo te dit haïtien pas supposé rentrer ici illégal parce que nous gen assez programme que vous mettez pour nous. Yon l'autre côté, avocat fait connait celle raison qui t'a valable pour yon moun traverser frontière illégal, faut que li t'a vraiment absubi persécution côté la ville menacée tout bon. Mais si t'a pas gon raison qu'il faut rentrer illégal, quelle yon raison qui fait que la vie t'est vraiment menacée, t'est vraiment gon emergency pendant mon Mexique parce que nous connaît même les que peuple la Mexique gen nan yo ki victime vraiment vrai, gen nan yo ki yo kidnappé. Nous connaît le cas difficile, mais si que ou ap rentrer illégal ou mettre préparé ou que yo pral mettre ou nan prison pendant gouverneur Texas la ap serré boulon immigrant yo, avocat fait connait yon moun ki gen dossier nan USCIS serré tétan parce que entre illégal ou bien payer un monde pour dossier au ka marcher plus rapide, c'est un crime fédéral. Gen moun ki a fait magouille, ka payer moun kòp pou avancer dossier yo, ça li pa bon, c'est ka criminel entre fédéral ke liye. So rete tan, programme Biden nan c'est un programme malgré difficulté, malgré qu'il fait moun rete en pile, mais c'est un programme yo ki ale plus vite que tout l'autre programme immigration. Yo Mejanit pour VOA Creole, Atlanta. Merci Yumi Janit. Dans l'autre nouvelle qui domine l'actualité, on a pu retourner d'abord dans le pays d'Haïti. Une population qui vit dans un camp déplacé dans toute la capitale de Port-au-Prince, eh bien, ils ont demandé concours autorité sanitaire après avoir découvert quelques cas de choléra dans le cancer, Mathieu de Villemay. Là, nous avons le lycée Marie-Jeanne Jean-Paul II. Dans l'espace, il y a plus de 700 familles qui vivent dans la promiscuité. Côté conditions hygiéniques, pas respectées, même une classe. Johnny Élisée et Siméon Osnel, c'est responsable. Par rapport aux gens qui dorment et façon de coucher. Imaginez, 50 personnes qui vivent dans la salle, 60 personnes dans la salle. Très, 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 très mal. Parce que côté moun yo a fait besoin yo an aidé à notre toilette là, c'est côté tellement toilette là bouchée, c'est dans sachet yo toilette et puis pour voyer la. Johnny Élisée dit nous majorité moun k'ap viv nan kansa, c'est si là qui t'est couri, qui t'est kayo en babal nek, exam qui t'est envahi, kafou feuille depuis mois août 2023 passé a. Selon sa responsable santé l'en fait connait, yo t'a même détecté moun qui gen symptôme maladie choléra. Je tiens fait 3 jours depuis nous connaître moun yo de carrément. Le 26 mars, nous avons joué 7 mounes et jeudi encore, nous jouons 8 mounes. 8 mounes qui viennent déjà aller, viennent des mounes. Mais, de façon dont nous avons pris de l'eau, de façon dont nous avons pris de l'eau dans ce plan, nous n'avons pas été possible de gagner tout le monde. Famille Silayo, qui n'a pas accès à l'eau potable, m'a demandé aux autorités concernées pour prendre Kayo en considération. Je n'ai pas les instances concernées. Il n'y a pas qu'à aider nous à 100% parce que trois personnes dans le camp, mais moi-même,
ce coup à nous dans le lycée Marie-Jeanne, il faut nous joindre. Bon, mais nous commençons malade. Vous comprenez? Plus nous battons, mais malade plus que ça. Nous devons dire que vendredi 29 mars 2024, là, fait un mois depuis gang assiégé capital là. Une date qui marquait tout 37 l'année existence constitution 1987 là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Douvilmé pour VOA Créole. Et on reprend quand demi actualité à Chanteuse Annie Alert annoncé li pral porter aide by mesdames cap couille pour violence sur et gang yo en Haïti et qui trouvé yo actuellement dans divers camps monde qui déplacé Luxon Saint-Ville depuis Miami Floride. Li te présent en Haïti un jour avant violence gang yo te éclaté. Annie Alert qui trouvait actuellement aux États-Unis dit ça qu'a passé à fait le mal en pile. Li connaît qui calte richesse ak valeur qui gagne dans pays a. Pays a tellement gen valeur, li gen richesse là-dedans et puis pour on l'autre quantité moun pas d'accord haïtien vivre là-dedans qui est posé. Ça fait mal en pile. Bon mais si haïtien nous pas ca jeter pays a, n'a toujours été mais pays a, li fait mal en pile. C'est vrai, il est difficile pour le digérer, mais jeune chanteuse l'a dit, pas prêté garder, l'a continué à engager d'abord, à travers publication l'a fait sur réseaux sociaux. Yo. Je demande tout le monde pour faire marche, moi-même, sur toute page parmi eux, moi, t'ai décidé pour me faire une manifestation contre que m't'a posté bagaille Haïti seulement. Soit regarder sur page Instagram, moi, ou après que c'est seul bagaille Haïti, m't'ai quitté sous lui, parce que m't'ai voulu prouver que c'est comme ça m'a montré dévouement pas m'nan. Annie Alert. Pavle rete sou rezo yo seulement. Ensemble avec sponsor li yo, li annonce li pral pote aide by femme aktifi kap kouri pou violence gang yo et ki kounya trouve yo nan yon seri kan refije. Déjà gen des moun ki ap marche nan sant yo, kap pren des informations de mesdames yo pou m kapab al pote des kit alimentaires, des kit hygiéniques parce que moi avec affaire trading que m'ap travay avec yo, yo décide aider m pou m kapab al pote kit alimentaire avec kit hygiénique pou mesdames sa yo ki malheureusement obligé kite la kay yo. Yon fois vol yo recommencé, Annie Alert dit li pralé Haïti pou le continuer travail citoyen li souterrain. Genatis la ki souvent montre la moule pou peyil, dit li rete confiant. Situation pas prêté comme ça. M'pap jam décourager, moi wèl l'endormi, moi kwèl parce que moi connais que gen moun tan koum ki remet Haïti toujours ki la toujours. Gen moun m'ap gade des femmes vanyantes tankou Widline, des femmes vanyantes ka pale ki campé pour Haïti. Moi m'pense nou gen trop gros rêve Haïti pa ka péri et c'est nous pour lever campé. Depuis Miami, l'État Floride, Luxon Saint-Ville pour VOA Créole. Ville Cap Haïtien pral bénéficier d'une série d'avantages après les jumelés avec une ville dans Bénin en Afrique, Gérard Maxino. En ville à la dame, côté mairie a signé un jumelage avec mairie à la dame et sous commerce, tourisme et énergie solaire et puis avec et sport. Parce que c'est ancien ministre Charles Edouim, c'est lui qui était promoteur, c'est lui qui fait contact entre deux villes, parce que lui-même, lui, c'est président d'une association que l'UASEC et Bénin. C'est lui-même qui fait une planification pour nous, pour nous signer le jumelage avec Miri Alada, qui est comme magistrat, M. Joseph Kalko. Au niveau diplomatie, c'est connecter ville-là avec l'autre ville en façon pour nous capables de gérer, n'a pas les, n'a pas les destinations touristiques, mais en même temps tout, c'est connecter ville-là avec l'autre ville en façon pour deux peuples qui mettre ensemble pour être capables de faire échange et culture et histoire. Capable connecter avec Fort Lauderdale, connecter avec mairie Suresnes et en France, de connecter avec mairie New Orleans. Je vous défie parce que si journée aujourd'hui à le département nord va bénéficier de un site et déchets qui c'est un plus gros site déchets dans Caraïbes là, c'est grâce à mairie Suresnes qui t'ai fait toute étude même avant Banque mondiale qui accepté pour financer. Israël a bien pour rentrer à Haïti le 20 mai et pour venir signer le protocole là, moi-même, je signe dans le pays à la date, même la venir au Cap Haïtien. Nous parlons de la ville Okaï, côté de la page de correspondant, Jean-Henri Seliska. 25 citoyens français quittent le département sud-là à bord d'un bateau militaire français après-midi 26 mars 2024. Là. Où sortissant français, yo, tap travay nan plusieurs communes département et c'est gouvernement français qui demande yo pour rentrer dans base
soldats français yo pas voulu faire aucune déclaration dans micro la presse parce que yo dit yo pas de gain autorisation pour faire ça. N'a pas signalé présence bateau militaire français dans base Gadkot au Kay te commencé paniquer en pile moun nan mitan population au Kay la. L'autre côté, proche ak sympathisan leader parti Petite Dessalines nan nan sud pote solidarité yo bay secrétaire général parti a Moïse Jean-Charles, Maurice Walmios ak professeur Jean Saintus, ces deux membres directoire parti Petite Dessalines nan sud pays a. Jean-Charles pas fait privatisation dans pays a. Les pas signé privatisation dans pays a. Les pas signé le plan néolibéral. Jean-Charles pas crasé l'armée d'Haïti. Il faut nous prendre responsabilité nous jodi a. La dimension pays a est là. C'est résultat 20 à 25 ans de gouvernance. Un pays sans armée, alors qu'on nous garde en dans question CARICOM. Les gens qui disent qu'ils ne sont pas allés mes petites dessalines là, pourtant ça passe. Ils ont des petites dessalines là. C'est observateur pour lui, il va nous donner du vote. Donc, ça veut dire, c'est que c'est lui qui vient empêcher quoi qu'il en fait. Là, nous avons un problème au départ avec vivement président, mais l'en comprenne ce qui a passé en dedans. Pour le bonheur de la patrie, vous obligez de faire des sacrifices. Nous avons petit dessalines. Nous rencontrons avec la presse aujourd'hui là pour nous capables d'encourager et porter solidarité nous à bombardier Nord. Petit l'homme, leader sérieux, là, Maurice Jean-Charles, leader petit dessalines. Maurice Walmios et Jean Saintus, qui sont deux membres. Directoire parti à nan sud fait déclaration sa yo nan moment secrétaire général parti à Moïse Jean-Charles a recevoir en pile critique bon côté en pile secteur nan pays d'Haïti sous choix ta fait pour voyer un représentant parti à nan conseil présidentiel là Jean-Ernst Eliscar VOA Creole Okay. Yon dizaine machine sorti nan bas plateau central. Dans tête troupe ça t'es gagné eh bien responsable Bessa pendant la Scarobas qui t'est venu croiser ensemble avec troupe commandant Jean-Baptiste nan Inche pour accompagner partisan Guy Philippe qui proclamait comme président provisoire. Eh bien m'a fait connait gagné 1436 moun qui victime zak violence en Haïti parmi yo 686 mouri, 371 blessés par balle, 379 kidnappé entre janvier à février 2024 d'après un rapport au commissariat Nations Unies pour droits moun mette d'ailleurs. Et mes chers compatriotes, parallèlement, gen 695 bandits qui mouri blessé dans même période ça d'après rapport si là qui baille un total de 2131 moun qui victime dans zak violence sa yo. Eh bien déplacé dans divers camps dans région métropolitaine Port-au-Prince continuer après les amway devant difficulté yo continuer à faire face tant coup grand goût sanitaire et la trier. Eh bien c'est cas si là yo qui dans lycée Marie-Jeanne qui souhaitait l'état prend responsabilité. 10 individus joignent arrestation cadre enquête cap mené sous fusillade qui t'est faite sous bonne rara l'oreille dans localité Sivadier département Sud-Est pays dans la nuit 26 mars 2024 là et tu me dis là yo après pour une question dans service police judiciaire pour me dire SDPJ nan moment sous invitation regroupement citoyen engagé Trou du Nord. Plusieurs centaines de citoyens manifestés dans la ville Trou-di-Nan à Caracol, mercredi 27 mars 2024, la compte responsable compagnie courant électrique Enrica qui nan parc industriel Caracol manifestant yo qui te sorti dans 5 communes département Nord ak Nord-Est te profiter exprimer mécontentement yo sous façon dirigeant yo a géré compagnie là yo choisi changer horaire yo tandis que yo pa baye courant 24 sous 24 encore. Vendredi 29 mars la marqué 37e anniversaire constitution 1987 la en occasion dirigeant collectif avocat kap défend droit moun yo di yo regrette solution acte yo a proposé a pas sorti nan constitution alors que yo tout apparaît pour célébrer 37e année date ça. Donc nan sens ça homme de loi quoi c'est nan cour cassation pour acte yo aller pour mettre campé un gouvernement transition.